Hello, hello. Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a des gens qui ne veulent pas se tourner les pouces. Il y a des gens qui ne veulent se donner les moyens de réussir. De créer une meilleure qualité de vie. De développer, que ce soit leur rêve, leur objectif. Bravo d'être présent. Vous faites partie des rares personnes à vouloir créer une vie exceptionnelle. Juste avant, est-ce que vous êtes chaud? Nous allons donc parler ici de l'art de réinventer sa vie. Alors, voici ce que nous allons voir aujourd'hui. 10 raisons de se mettre à la plongée. Devenir moniteur de plongée. Comment faire pour se former au métier de moniteur de plongée? Les avantages d'être moniteur de plongée. Toutes les formations de niveau 1, 2, 3 et 4, secourisme, assistant moniteur, moniteur, moniteur secouriste, et bien plus encore. Et surtout, pourquoi est-il urgent et important de changer de vie et d'investir en vous? Préparez-vous à une grande surprise et à un déluge de cadeaux. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Oui? Go! Ce que je vais vous demander, c'est de couper toutes les distractions. Skype, WhatsApp, la radio, vos emails, enfin, tout, et restez focalisé. Raison de se mettre à la plongée. Un voyage sur une île tropicale peut être l'occasion de découvrir le monde sous-marin avec un baptême de plongée. On retrouve souvent les mêmes hésitations face à la plongée, peur de respirer sous l'eau, peur de la profondeur, peur de paniquer. Pourtant, une fois les premières appréhensions dépassées, la plongée a de nombreux avantages. Vous hésitez encore? Voici 10 bonnes raisons de se mettre à la plongée sous-marine. Découvrir d'autres paysages. En moyenne, l'eau recouvre 80% de la Terre. Ne visiter que les endroits au sec, c'est se limiter à 20% des paysages. Sous l'eau, vous trouverez des fonds sablonneux, des rochers, des barrières de coraux mais aussi des canyons, des pics et des grottes. La flore se compose de la plus simple des algues vertes aux coraux mous les plus colorés, en passant par tout un éventail de formes et de couleurs sous-marines. L'aventure. L'eau n'est pas notre milieu naturel. Se jeter à l'eau, au figuré comme au sens propre, c'est sortir de sa zone de confort pour partir explorer un lieu, un environnement nouveau. Il existe tout un tas de types de plongées, plongées sur épave, plongées profondes, plongées de nuit ou encore plongées dérivantes, chacune apportant son lot d'aventures. Se détendre. Sous l'eau, vous n'entendrez que le son de vos bulles à chaque expiration. Respirez lentement et profondément à la base de la relaxation. En cas de coup dur, on se calme en respirant tranquillement et lentement. De la même manière, en yoga notamment, on pratique la respiration, Ujjayi, qui permet d'entendre sa respiration, rendant le yogi plus posé et plus concentré. On comprend alors pourquoi passer une heure sous l'eau à écouter chacune de ses respirations permet d'être détendu et relaxé. Un baptême de plongée pour se prouver quelque chose. En vacances, on n'a plus besoin d'être défini par nos habitudes, notre travail, nos familles. On peut être qui l'on veut. Parfois, en sortant de sa routine, sans nécessairement avoir besoin de partir à l'autre bout du monde, le rythme métro boulot dodo assomme et vous avez peut-être perdu votre côté pétillant pour briser la routine. Rien de tel que de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Faire un baptême de plongée est parfois un moyen de se prouver quelque chose. Devenir plongeur, c'est comme être accepté dans un club un peu privé. En effet, communiquer sous l'eau nécessite l'apprentissage d'un langage des signes spécifique. Ainsi, vous et vos amis plongeurs pouvez vous faire des signes que seuls les plongeurs comprennent. Partageant la même passion, des expériences similaires et le même langage, vous vous sentez tout de suite accepté. De plus, la plongée est un sport qui se pratique au minimum à deux, avec un binôme. Vous pouvez venir vous inscrire seul à un centre de plongée, vous ne serez jamais seul sous l'eau. La plongée étant un sport d'extérieur, la plupart des plongeurs sont également adeptes d'autres sports aventure, parmi lesquels on retrouve le surf, le ski ou encore le parapente. Il y a de grandes chances pour que vous partagiez des passions communes. Enfin, à l'instar de la troisième mi-temps des rugbyman, les plongeurs se retrouvent après la plongée pour partager leurs ressentis sur la plongée passée, leurs anecdotes et les plus belles rencontres sous-marines. Sous l'eau, le silence est d'or. On surnomme souvent le grand bleu, le monde du silence. Sous l'eau, pas de voiture, pas de téléphone, pas de voix, seulement le bruit de bulles. D'ailleurs,
Plus d'un plongeur vous taquineront en vous disant, si tu veux optimiser au maximum la batterie de ton smartphone, pose-le sur la table et va plonger. Dans notre monde urbanisé, le silence est une rareté presque oubliée. Que ce soit le bruit de la circulation, les voisins ou tout simplement la télé en fond sonore, on n'a que peu l'occasion de s'offrir quelques minutes de silence. Faire l'expérience du silence de l'océan, c'est se condamner à vouloir plonger encore et encore. Rencontre avec les créatures marines. Des plus grandes et impressionnantes créatures sous-marines telles que les tortues, les raies-mantas ou les requins, aux plus minuscules telles que les nudibranches, sortent de limaces de mer colorées, et l'hippocampe pygmée dont la taille moyenne ne dépasse pas les 16 mm, les rencontres sous-marines sont riches et variées. La faune et la flore varient grandement d'un bout à l'autre de la planète. Enfin, on nous apprend souvent les « animaux de la ferme », rarement avons-nous l'occasion d'en apprendre plus sur le monde sous-marin. Pourtant, l'océan peut se targuer d'une biodiversité inégalée, à découvrir au plus vite les créatures sous-marines. Sport passion, sans compétition. La plongée loisir est un sport sans aucune compétition. C'est une sorte de randonnée sous l'eau, une visite d'un lieu magique, une balade entre amis. Il n'y a pas de points, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien à gagner. C'est un sport de partage, qui se pratique exceptionnellement seul et quasiment toujours avec un binôme voire toute une palanquée de plongeurs. Bien sûr, si vous aimez la compétition, vous pouvez vous orienter vers la plongée dite, technique, qui permet de battre des records de profondeur en descendant bien en deçà de la limite de profondeur de la plongée loisir. Fitness et exercice physique. La plongée, comme la plupart des sports aquatiques, permet de faire de l'exercice physique sans aucune pression sur les articulations. À chaque plongée, vous profitez avec plaisir d'une heure de natation, à palmer, fortifiant ainsi cuisses et fessiers. On estime qu'une plongée de 45 minutes permet de brûler environ 550 calories, soit l'équivalent d'une heure à vélo. La sensation de voler. Sensation rare et surprenante, la plongée donne l'impression de voler. Ou plus exactement, de flotter. Vous vous sentez l'âme d'un explorateur, surplombant les récifs, étudiant chaque poisson et autres créatures marines étonnantes. C'est une sensation qui marque et surprend d'autant plus lors des plongées sur épave, où vous survolez un bateau, chose improbable une fois à terre. Chaque plongeur se retrouvera dans l'une ou l'autre des raisons ci-dessus, certains plongeant pour découvrir la faune aquatique alors que d'autres mettent en avant le côté, détente, de la plongée. Jetez-vous à l'eau. Votre baptême de plongée sera dans tous les cas une expérience qui restera gravée dans votre mémoire. Alors, toujours pas convaincu? Les avantages d'être moniteur de plongée. La vie de moniteur de plongée, c'est comment exactement? Nous sommes tous à la recherche d'un métier qui nous correspond. Un métier qui puisse nous valoriser, nous rendre heureux, et si possible bien sûr, nous assurer un salaire minimum. Le métier de moniteur de plongée est un job assez particulier dans le sens où il requiert une grande quantité de qualifications diverses, une somme de compétences non négligeables et une santé au top. Ce métier est aussi un excellent moyen de parcourir le monde, de faire des rencontres exaltantes, sous l'eau et hors de l'eau, et de vivre une passion, car il s'agit bien d'une passion qu'on cherche à transmettre aux auras souvent le plus déterminant pour choisir vos orientations. Nous allons tenter d'aborder dans cet article l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur le métier de moniteur de plongée et faire en sorte que vous puissiez y voir plus clair sur ce formidable boulot. Quelles sont les qualités recherchées chez un moniteur de plongée ? Être moniteur de plongée, c'est avant tout posséder des qualités humaines et techniques diverses. Globalement, lorsque l'on pose la question, qu'est-ce qu'un bon moniteur de plongée, on se rend compte qu'il existe une multitude de réponses conduisant toutes vers l'aspect humain de l'activité. Être patient. Être sociable. Savoir s'adapter à son public. Être calme. Être courageux. Être polyvalent. Être pédagogue. Être sensible aux besoins des autres. Avoir de la prestance. Bonnes conditions physiques, etc. Bien sûr, nous ne pouvons pas occulter ces dernières qualités, grâce auxquelles une partie des précédentes peuvent exister et s'affirmer. Maîtriser l'ensemble des techniques de plongée. Maîtriser l'ensemble, ou en tout cas une grosse partie, des contenus théoriques associés à l'activité. Avoir une bonne condition physique et être en bonne santé. Il peut exister selon l'endroit et les conditions dans lesquelles vous pratiquerez, d'autres qualités mais les plus importantes viennent d'être citées. Nous reviendrons de toute façon un peu plus loin sur certaines subtilités importantes pour être un bon moniteur. Où travaille un moniteur de plongée ? Un moniteur de plongée, c'est fait pour aller partout.
En fait, tout est possible car une fois vos niveaux acquis, vous avez une tonne de possibilités. Travailler dans un centre en saisonnier, comme c'est souvent le cas en France, où il faut une deuxième activité l'hiver, travailler à l'année dans un centre de type tropical, travailler dans un club associatif, travailler sur un bateau en croisière plongée, travailler dans des grandes structures type Club Med ou CPA, travailler dans un magasin de plongée, travailler à son compte dans une grande ville et faire du privé, piscine et milieu naturel, travailler en moniteur privé sur un yacht de luxe, ouvrir son centre, faire dériver son activité, mais il faut d'autres diplômes, faire une activité de type industriel ou militaire, plongeur de bord, de combat, plongeur pompier, plongeur soudeur, plongeur sur plateforme pétrolière, travailler pour un tour opérateur, etc. Bref, on le voit, il y en a pour tous les goûts. Travailler partout. Et le rythme des travail, le métier de moniteur de plongée, ce n'est pas seulement sous l'eau, et là, on va parler de choses concrètes. Oui, on voit des super poissons, on rencontre plein de gens sympas. On vit dehors, sur l'eau, on fait du sport. On a des horaires et des obligations, on doit remplir des dossiers de formation assez complets. On répare du matériel, on gonfle les bouteilles, on nettoie le centre, on sert le café, on peut faire des journées assez fatigantes, etc. Bref, comme dit Plousseau, c'est un métier à part entière avec ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, quand on pèse le pour et le contre, que de bonheur. En termes d'organisation horaire, un moniteur va travailler de manière un peu aléatoire selon l'endroit où il travaille. En France, théoriquement, c'est le régime des 35 heures, les deux jours de repos consécutifs, mais en pleine saison, c'est des fois pas possible. À l'étranger, le rythme est souvent plus dur. 6 à 6 jours et demi de travail par semaine, pas d'heure sup. Un moniteur de plongée est celui, ou celle, qui a acquis une solide expérience de plongée, d'encadrement de plongeur et qui a suivi les cours et réussi les différentes épreuves pour accéder à la fonction de moniteur. Les missions d'un moniteur de plongée. Il y a plusieurs niveaux de moniteur, en fonction des fédérations et des types de formation. Le moniteur de plongée subaquatique encadre, accompagne, assure la sécurité et contribue à la formation des plongeurs en scaphandre à l'air ou au nitrox de 0 à 6 mètres. Il encadre également les plongeurs et les accompagne en exploration en tant qu'équipe de palanquée, dans l'espace de 0 à 60 mètres. Il peut travailler en complète autonomie dans le cadre de la randonnée subaquatique. Il organise l'activité sur un site de pratique et l'adapte aux spécificités et attentes des clients ainsi qu'aux contraintes environnementales. Il travaille sous l'autorité d'un moniteur de niveau supérieur. Les débouchés du métier. Le moniteur de plongée peut maîtriser d'autres spécialités, ce qui lui permet de se diversifier. La plongée bio pour découvrir faune et fleurs sous-marines, la plongée technique, etc. Il faut bien sûr obtenir des certificats complémentaires pour cela. Pour ceux qui souhaitent travailler à l'étranger, il faut parler au moins l'anglais et être titulaire de diplômes reconnus à l'étranger. Le moniteur de plongée peut avoir le statut de travailleur indépendant ou celui de salarié. Métier de la plongée, faire une revalorisation de la profession. Du côté des instructeurs, commencez par investir dans votre formation, vous augmenterez ainsi vos chances qu'elle soit de qualité, et de devenir un instructeur apprécié, compétent et prudent. Votre formation sera votre premier passeport vers un travail convenable. Un patron sera certainement plus enclin à vouloir garder quelqu'un qui exerce son métier avec compétence et expérience que quelqu'un qui a été formé à la va-vite, parfois au détriment d'une acquisition de base solide. Peu importe la filière de formation, prenez le temps nécessaire pour mettre des cordes à votre arc, pour acquérir les savoirs de base, des plongées variées et comprendre les ficelles du métier. Comme pour toute autre profession, il vous sera difficile d'être exigeant si vous sortez tout juste d'une formation, parfois accélérée, et que vous n'avez que peu, pas, d'expérience du métier. Choisissez avec soin les structures où vous allez postuler. N'hésitez pas à écouter les expériences des autres, à poser des questions et à discuter avec vos futurs employeurs. Ne bradez pas vos compétences, n'acceptez pas de travailler contre un salaire de misère afin de ne pas entretenir ce système. Exigez des centres qui vous emploient de respecter au minimum les standards des organismes de certification auxquels vous êtes affiliés. Soyez conscient qu'il s'agit bien d'un job avec des avantages, faire ce que l'on aime, mais aussi des inconvénients. Toute réalisation professionnelle demande un minimum d'effort, il s'agit d'un job, pas de vacances.
Donnez toujours le meilleur de vous-même, restez ouvert, curieux, respectueux des standards de votre filière de formation. Si vous tombez sur un employeur qui ne vous permet pas de travailler dans un minimum de conditions décentes, changez, vous avez cette chance d'exercer un métier qui vous permet d'aller voir de nombreux horizons. N'oubliez pas qu'en tant que professionnel sur le terrain, vous êtes les acteurs majeurs d'une démarche de revalorisation de votre profession. Du côté des responsables de centres de plongée, gardez à l'esprit qu'un instructeur heureux fera un client heureux, qui n'aura qu'une envie, celle de revenir. Gâtez vos bons instructeurs, laissez partir ceux qui le sont moins. Veillez à organiser votre centre de plongée de manière conviviale, agréable, propre, fonctionnelle et soignée. Cela donnera de meilleures conditions de travail pour vos employés et plaira sans nul doute à vos clients qui viennent pour prendre du bon temps. Sur le long terme, la qualité primera sur la quantité. Un client content est effectivement un client qui revient et ou qui fait circuler l'info, le contraire est très vrai aussi, méfiez-vous. L'avenir de votre business est dans vos mains, à vous de choisir quelle image vous souhaitez donner de votre centre de plongée. Du côté des clients des centres, s'il existe des personnes qui peuvent faire évoluer le monde de la plongée sous-marine, ce sont très certainement les clients des centres de plongée. Si un centre n'a pas de clients, il ne peut pas fonctionner. Aussi, je ne peux que vous encourager à choisir avec attention le centre de plongée qui vous accueillera de façon conviviale pour vos merveilleuses immersions. En conclusion, instructeur, responsable des centres de plongée, client de ces structures et représentant des organismes de certification, nous sommes tous responsables, à des degrés divers, de la situation actuelle du monde de la plongée et donc capables d'agir et d'influer sur cette réalité. J'ai la croyance que cet ensemble nous pouvons toutes et tous faire évoluer ce monde merveilleux de la plongée sous-marine. C'est parti ! Devenir moniteur de plongée. Thaïlande Diving a développé pour les débutants des formules intensives en 6 mois pour devenir un professionnel de la plongée. Pour devenir moniteur de plongée, que ce soit selon les standards français ou américains, il vous faut passer les 4 premiers niveaux pour lesquels un minimum de 6 mois est nécessaire. Si vous êtes excel, totalisez 100 plongées puis faire une formation de moniteur pour être moniteur à l'étranger. Bienvenue chez Plongée Asie. La plongée est notre passion. Depuis l'année 2000, date de notre création et implantation en Thaïlande, nous avons développé un concept de séjour plongée, ainsi que des croisières plongées, au pays du sourire mais également dans les plus beaux spots de plongée de l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est offre un environnement idéal pour les plongeurs expérimentés comme pour ceux qui veulent simplement découvrir cette activité dans des conditions idéales. Nous organisons votre séjour depuis votre arrivée à l'aéroport jusqu'à l'obtention de votre brevet de moniteur et nous nous occupons de tout afin que vous profitiez au maximum de votre séjour. Tous nos accompagnateurs parlent le français. Formation plongée en 6 mois avec notre centre de plongée 5 étoiles. Laissez venir passer 6 mois en Thaïlande et repartez en fin de séjour avec votre brevet de moniteur en plongée. Nous vous accueillons à votre arrivée à Bangkok et prenons soin de vous pendant les 6 mois de votre formation plongée avec notre centre de plongée 5 étoiles. Dès votre arrivée, nous vous installons à votre hôtel, et vous expliquons le déroulement de votre séjour. Vous débuterez avec une séance en piscine et ensuite vous ferez une première journée de plongée découverte. Ensuite, vous passerez tous vos brevets de plongeur. Ceci étant fait, vous ferez quelques plongées fun pour améliorer votre expérience en plongée. Et enfin, vous terminerez en passant vos formations professionnelles pour devenir moniteur de plongée. La formation se déroule en 6 mois, mais il ne vous faut en réalité qu'un mois de formation intensive. Ce qui vous laisse le temps de vous former et d'évoluer à votre aise et aussi de profiter de la Thaïlande, ce pays qui est fabuleux à découvrir, son soleil, ses plages, et sa végétation luxuriante. Sans parler des habitants qui sont merveilleux. Voici le détail des formations que vous allez suivre pendant cette période de 6 mois en Thaïlande. Brevet plongeur 1 étoile. Plongeur 1 étoile, open water, niveau des bases pour accéder aux activités subaquatiques en milieu naturel sous la surveillance directe d'un guide de palanquée. Plongeur 1 étoile, vous en avez toujours eu envie? Alors n'attendez plus pour commencer votre formation de plongeur. Le monde sous-marin s'ouvre à vous.
premier brevet de plongeur. Le cours de niveau 1 se fait en 8 séances d'environ 3 heures comprenant un volet théorique en classe et un volet pratique en piscine. Avant votre certification, vous devez réussir une évaluation finale de vos connaissances théoriques et de vos compétences pratiques. Pour obtenir votre certification niveau 1, vous devrez ensuite réussir 4 plongées en milieu naturel. 4 plongées pour monter, utiliser, nettoyer et ranger votre matériel. Maîtriser votre flottabilité sous l'eau. Gérer d'éventuels problèmes survenant sous l'eau. Prendre un maximum de plaisir avec un minimum de risque. Théorie pour comprendre les phénomènes physiques qui régissent la plongée. Connaître et comprendre le fonctionnement de votre matériel. Comprendre quel est le bon comportement du plongeur. Ce brevet vous permet de plonger partout dans le monde sous la supervision d'un guide. Dans la limite des 20 mètres de profondeur. Prérequis, bonne santé et conditions physiques. Savoir nager et être à l'aise dans l'eau. Brevet plongeur 2 étoiles. Plongeur 2 étoiles, Advanced, niveau permettant de pouvoir évoluer dans l'espace 0-30 m avec au minimum un plongeur de même niveau. Plongeur 2 étoiles, vous êtes un plongeur ayant une certaine expérience, alors le cours de niveau 2 est pour vous. Perfectionnez votre niveau de plongée. Accédez aux spécialités qui vous intéressent et augmentez votre profondeur de plongée pour explorer des endroits qui vous étaient auparavant inaccessibles. Ce cours, en grande partie pratique, vous apprendra différentes techniques de plongée et le maniement de nouveaux équipements. Ces nouvelles techniques peuvent inclure notamment plongée d'épave dérivée, orientation naturelle et boussole, plongée de nuit, plongée en eau profonde. Les prérequis pour ce cours sont détenir une certification de niveau 1, avoir acquis une expérience d'au moins 20 plongées. Emergency First Response, formation sur les techniques et la théorie de secourisme. L'objectif de la formation Emergency First Response est de renforcer la confiance des secouristes non professionnels pour qu'ils soient plus enclins à agir face à une urgence médicale. Les participants apprennent à suivre des étapes simples pour administrer les premiers secours et s'exercent à pratiquer les techniques dans un environnement d'apprentissage détendu. Tous les cours sont soutenus par des manuels d'auto-apprentissage, des vidéos et des cartes de référence rapides pour améliorer l'apprentissage et permettre de commencer directement. Les cours EFR répondent aux conditions requises de formation en RCP et premier secours pour le cours de niveau 2 et tous les niveaux professionnels. La plupart des instructeurs sont également Emergency First Response Instructors. Les cours EFR suivants sont basés sur des directives reconnues internationalement pour les soins médicaux. Thank you.
on? What happened? I don't know. I'm having some issues. Trouble. Brevet plongeur 3 étoiles. Niveau permettant de participer aux activités subaquatiques en milieu naturel à des profondeurs de moins 40 mètres maximum en toute autonomie. Plongeur 3 étoiles. Le niveau 3 au Rescue Divé est une spécialité de plongée durant laquelle vous apprendrez les techniques de sauvetage en milieu aquatique. Ce niveau de plongée vous donne les connaissances nécessaires pour faire face aux différentes situations de détresse rencontrées en plongée sous-marine. Vous y apprendrez des techniques de sauvetage et de premiers soins à appliquer à une personne en difficulté. Nombre de leçons. Le plongeur 3 étoiles peut être fait sous forme modulaire. Un cours spécial, palme, masque, tuba. Un cours spécial, plongée à décompression. Un cours spécial, gestion de la sécurité. Un cours spécial, direction de palanquée. Les prérequis pour ce cours sont: détenir une certification de niveau 2. Avoir acquis une expérience d'au moins 20 plongées hors cadre de formation. Brevet plongeur 4 étoiles. Plongeur 4 étoiles, Dive Master. Guide de palanque expérimenté. Il a une très bonne maîtrise des techniques de la plongée scaphandre. Profondeur maximale de 60 m si autorisée. Plongeur 4 étoiles. Le niveau 4 ou Dive Master est le premier niveau de plongée professionnelle qui vous permettra d'encadrer et de gérer des groupes de plongeurs. Être un plongeur de niveau 4 comprend un certain nombre de responsabilités. En tant que maître de plongée, Dive Master, vous avez notamment la responsabilité de superviser, diriger, surveiller un groupe de plongeurs, de planifier et préparer les activités de plongée, d'assister l'instructeur de plongée. Les prérequis pour ce cours sont: être âgé d'au moins 18 ans le jour de l'examen, présenter le carnet de plongée, être titulaire du CPS certificat de premier secours, détenir une certification de niveau 3. Avoir acquis une expérience d'au moins 50 plongées. Assistant moniteur. Professionnel. Description. Si vous aimez les gens, que vous êtes passionné par la plongée et souhaitez une vie extraordinaire, devenez instructeur. Enseigner la plongée vous permet de partager votre passion du monde aquatique avec les autres tout en faisant ce que vous aimez être dans l'eau. Les instructeurs et les assistants instructeurs sont les professionnels de la plongée les plus recherchés dans le monde parce qu'ils ont complété le programme qui établit les standards de formation des professionnels de plongée.
Obtenir le niveau d'instructeur nécessite de l'engagement et un travail intensif, mais vous êtes récompensé avec un emploi qui vous permet de partager avec les autres des aventures sous-marines incroyables, en transformant leur vie pour un mieux tout en enrichissant la vôtre. Êtes-vous prêt à rejoindre les rangs des professionnels dévoués qui enseignent les programmes de formation de plongeurs les plus modernes et les plus populaires dans le monde? Alors, devenez un pro en suivant la formation d'assistant instructeur. Assistant moniteur, AM, compétence. Un assistant moniteur de plongée subaquatique, est un plongeur, guide de palanquée, expérimenté qui désire se consacrer à l'enseignement de la plongée. Il se consacre principalement à la formation et l'évaluation de la théorie et la pratique en IR des Brevets Étoiles plongeur encadré. Prérogative. L'assistant moniteur est formé, évalué et jugé qualifié pour diriger des plongeurs homologués en tout lieu, diriger des plongeurs non homologués, donner des consignes de sécurité, mettre en place un dispositif de surveillance efficace, reconnaître tous les accidents et, le cas échéant, mettre en œuvre les secours. Effectuer certaines tâches liées à l'organisation de la plongée. Prendre en charge la formation et l'évaluation en théorie et en IR du brevet plongeur une étoile. Effectuer des initiations de plongée. De plus, sous la supervision directe d'un moniteur club minimum, selon la législation locale, diriger des plongeurs non homologués, sans restriction. Surveiller les épreuves en eau libre des candidats plongeurs. Fonctionner comme jury dans les passages de brevets plongeurs. Avoir enregistré au moins 60 plongées et 100 plongées pour participer à un IR. Avoir suivi une formation Emergency First Response soins primaires et soins secondaires, RCP et premiers secours, dans les 24 derniers mois. Vous devez aussi être un Emergency First Response Instructor, mais vous pouvez acquérir ce niveau pendant votre formation d'instructeur. Académique, un programme qui se déroule sur 5 jours minimum. Vous apprendrez à organiser et à présenter les informations théoriques, à diriger des séances de développement des techniques et à contrôler les plongées en milieu naturel. En fait, vous devenez un meilleur orateur public, très compétent pour démontrer les exercices, tout en assurant la sécurité des élèves plongeurs. Les principaux sujets comprennent les standards et procédures, ainsi que des ateliers dans l'eau pour les cours que vous pouvez enseigner. Apprentissage, enseignement et de système. Gestion des risques et sécurité du plongeur. Le commerce de la plongée et votre rôle comme instructeur. Marketing de la plongée et conseils pour améliorer les ventes. Je suis secouriste. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Robin. Je suis secouriste. Puis-je vous aider? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez? Kevin, ça va? Appelez les secours médicaux. Mon nom est Tina. Je suis secouriste. Kevin, c'est moi, Steve. Tu m'entends? Est-ce que ça va? Je m'appelle Eileen. Je suis secouriste. Puis-je vous aider? Moniteur EFR. Le cours de Moniteur Emergency First Response. La RCP et les premiers secours sont des techniques importantes et souvent exigées par les employeurs. En tant que Moniteur Emergency First Response, vous pouvez enseigner ces techniques à toute personne intéressée. Enseignez la RCP et les premiers secours avec le cours Emergency First Response. La partie amusante. Enseignez la RCP et les premiers secours aux autres, pour qu'ils soient prêts à intervenir en cas d'urgence. Ce que vous apprenez. Vous gagnez de l'expérience sur la façon de structurer l'apprentissage, les exigences d'une formation basée sur la performance et votre rôle dans l'environnement d'apprentissage en tant qu'instructeur pour enseigner la RCP et les premiers secours. Vous apprenez aussi à motiver vos élèves, à évaluer leurs connaissances, à présenter efficacement le contenu du cours,
à développer de sessions pratiques d'exercices appliqués? Et comment présenter une expérience d'apprentissage efficace basée sur des scénarios? Ce que vous pouvez enseigner. Vous pouvez diriger les cours d'Emergency First Response, Soins primaires, RCP, et Emergency First Response, Soins secondaires, Premier secours. Vous apprenez aussi à diriger les exercices recommandés. Utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, DEA. Utilisation du matériel d'oxygénothérapie et gestion face à l'étouffement d'un adulte conscient. Pour suivre ce cours, vous devez avoir réussi le cours Soins primaires, RCP, et Soins secondaires, Premier secours, Emergency First Responder ou détenir une qualification reconnue délivrée par une autre organisation de formation datant des 24 derniers mois. Avoir au moins 18 ans. Moniteur une étoile. Conditions de candidature. Être âgé de 18 ans à la date de l'examen. Être titulaire du niveau 3 ou niveau 4 ou assistant moniteur ou d'un organisme reconnu. Être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, CMAS, EFR ou autre reconnu. Avoir au moins 150 plongées à son actif dont 30 dans la dernière année comportant au moins 10 plongées d'encadrement. Avoir effectué dans l'ordre chronologique les stages pédagogiques suivants. 1. L'examen d'entrée, avec épreuve théorique et pratique reprenant les acquis du niveau de plongeur 3 étoiles. 2. Un stage initial de 6 jours organisé par un centre 5 étoiles, créé. Cette formation peut se dérouler sur une période continue ou fragmentée sur 3 week-ends, dans un espace-temps d'un mois et demi maximum. 3. Un stage en situation dans un centre 5 étoiles, créé sous la supervision d'un moniteur CMAS 3 étoiles. 12 heures de pédagogie pratique en surface avec et sans scaphandre et pédagogie pratique en immersion sans scaphandre. 20 séances pratiques qui peuvent se dérouler entièrement en milieu naturel ou réparties entre milieu naturel et milieu artificiel, avec au maximum 10 séances en milieu artificiel. 10 séances théoriques. Ces séquences de formation doivent permettre aux stagiaires d'être mis en situation d'enseignement pour des plongeurs dont les niveaux varient du débutant au niveau 4 dans les espaces proches, médians et lointains. 4. Un stage final. Un stage final de 3 jours bloqué, organisé et validé par un course directeur et un moniteur 3 étoiles. Ces stages devront être effectués dans un délai de 6 mois maximum à partir de la fin du stage initial. Contrôle des acquis. 1. Pédagogie préparatoire à la plongée. Cette épreuve a pour objectif l'évaluation d'une leçon faite à un ou plusieurs élèves dont les niveaux varient du débutant au plongeur 4 étoiles. Sans scaphandre, en surface et en immersion. Avec scaphandre, en surface. Baptême de plongée. 2. Pédagogie pratique. Cette épreuve a pour objectif l'évaluation d'une leçon de plongée avec un ou plusieurs élèves, accompagnée de conseils, remarques ou consignes préalables à l'immersion que la nature de la leçon peut, éventuellement, rendre nécessaire. Apprentissage ou perfectionnement d'un exercice particulier ou d'un groupe d'exercices. Préparation aux épreuves des différents brevets. Plongée d'exploration. Plongée d'entraînement, ex. Apprentissage de l'orientation, etc. 3. Pédagogie théorique. Le candidat est supposé développer devant un groupe d'élèves un sujet précis concernant la plongée. Niveau X technique des élèves varie du débutant jusqu'au plongeur 4 étoiles. Il convient de préciser qu'il s'agit d'une épreuve de pédagogie et que le candidat doit démontrer ses capacités d'enseignant, c'est-à-dire ses possibilités de transmettre ses connaissances à des élèves. 4. Prédémonstration technique avec handicap de 25 mètres. Cet exercice consiste à remonter un plongeur en difficulté d'une profondeur de 25 mètres, sans l'aide d'un système gonflable, à le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation et à le déséquiper pour le hisser à bord. 5. Épreuve physique. Voilà, voilà. Vous avez vu un aperçu de cette formation en 6 mois pour devenir moniteur de plongée. Ça marche. Ça a marché pour moi, ça a marché pour beaucoup d'autres personnes. Et vous allez voir quelques témoignages tout à l'heure en vidéo. Et cela marchera pour vous aussi.
car elles sont basées sur des principes universels immuables, ce qui est certain, si vous êtes ouvert à apprendre, et que vous êtes décidé et déterminé à changer votre vie, et obtenir de bien meilleurs résultats qu'en ce moment, alors, il vous faut devenir moniteur, car c'est un must pour vous. Devenir moniteur de plongée, cela va changer votre vie pour toujours. Avant de vous dévoiler la grande surprise, et les nombreux cadeaux dont vous allez pouvoir bénéficier ce soir uniquement. Moniteur de plongée est le programme de croissance personnelle et le plus complet et efficace. Le programme online vous permettra de découvrir et étudier toute la théorie de la plongée pour votre future vie active en tant que moniteur de plongée. Pour devenir la meilleure version de vous-même. Module 1, vous allez passer votre premier brevet de plongée. Module 2, vous allez passer votre brevet de plongée niveau 2 pour descendre un peu plus bas. Module 3, vous allez passer votre brevet de secourisme pour aider les autres en cas d'accident. Module 4, vous allez passer votre troisième brevet de plongée pour en apprendre un maximum. Module 5, vous allez passer votre brevet de plongée de niveau 4 pour devenir un expert. Module 6, vous allez passer votre brevet de plongée comme assistant moniteur. Module 7, vous allez passer votre brevet moniteur de plongée pour être un pro. Module 8, vous allez passer votre premier brevet de moniteur secouriste, pour apprendre aux autres à sauver des vies. Module 9, passez votre IDC Monitorat. De plus, vous allez obtenir pour plus de 14 375 € de bonus en vous inscrivant maintenant. "150 plongées en mer par Minoko. Les plus beaux sites de plongée en Thaïlande. La Thaïlande possède parmi les plus beaux sites de plongée au monde. De très nombreuses îles de Thaïlande figurent parmi les plus belles de la planète avec de fantastiques plages. La faune sous-marine en Thaïlande est incroyablement riche. Vous rencontrerez très probablement des requins de récif, des requins léopards ainsi que des tortues marines. Plonger en Thaïlande est plutôt recommandé pour ceux qui aiment les gros poissons et les ambiances sous-marines plutôt que pour la macro. Des sites comme Richelieu Rock par exemple sont tout de même très intéressants pour les photographes sous-marins. La Thaïlande est aussi une magnifique destination pour les croisières de plongée. Conditions de plongée sous-marine: température de l'air, de 25 degrés C à 35 degrés C suivant l'endroit et la saison. Température moyenne de l'eau, elle varie de 27 degrés C à 32 degrés C toute l'année. Visibilité, la visibilité varie de 10 m à 40 m suivant la période et le site plongé. Courant, cela dépend beaucoup de l'endroit et de la marée, cela va de pas de courant à de possibles courants très forts sur certains sites exposés. Profondeur, de 5 m à 40 m. La plupart des sites sont sur des récifs coralliens assez peu profonds et la plupart des plongées se font donc entre 10 m et 20 m de profondeur. Vous y ferez 150 plongées en mer par Minokoro de Thaïlande. Les plongées thématiques et spécialités. Les plongées thématiques, envie de changer de la routine, envie d'apprendre plus, les plongées thématiques vous permettent d'étendre vos compétences de plongeur. Venez découvrir de nouvelles formes de plongée et approfondissez vos compétences. Naturaliste et sous-marin, vous êtes fasciné par la vie sous-marine? Laissez-nous vous accompagner pour une découverte approfondie de l'écosystème sous-marin, vous apprendre à détecter et reconnaître les formes de vie. Après ce cours, vous serez à même de préparer vos plongées et de faire votre débriefing pour comprendre et analyser ce que vous avez vu sous l'eau. Ce cours est un bon mixte entre le temps passé sous l'eau à la découverte de la faune et la flore et le temps passé à la surface pour l'analyser. Navigation sous-marine. Ce cours est parfait pour vous apprendre à vous orienter sous l'eau, que ce soit en utilisant une boussole ou en utilisant l'environnement naturel. Nous vous recommandons ce cours si vous avez pour objectif de plonger avec votre partenaire sans avoir de guide. Dans tous les cas, ce cours vous apprendra beaucoup sur la gestion de votre parcours sous-marin. Plongée de nuit. Apprenez la planification, l'équipement spécifique et l'orientation lors de plongées de nuit. En plus, découvrez de nombreuses créatures qui ne sortent que la nuit. L'air enrichi en oxygène, nitrox, plongez plus longtemps et réduisez vos intervalles de surface. Découvrez comment gérer votre bouteille et contrôler votre ordinateur de plongée lorsque vous utilisez de l'air enrichi.
Planifiez votre profondeur maximale et apprenez comment gérer en sécurité une plongée à l'air enrichi. Plongée épave. Découvrez les techniques pour explorer les mystérieuses épaves sous-marines de navires, d'avions ou même de voitures. Plongée profonde. Découvrez le secret des profondeurs et apprenez les techniques pour plonger dans les zones de 18-30 mètres. Maîtrise de la flottabilité. La flottabilité nulle, c'est le secret pour réduire sa consommation d'air et limiter les impacts sur l'environnement aquatique. Apprenez à atteindre une flottabilité nulle en toute facilité. La location de la moto pour 6 mois. La location pour 6 mois peut s'avérer un excellent plan. Pour l'inconditionnel de la moto qui en a marre de circuler en voiture et souhaite échapper aux embouteillages des grandes villes, la moto peut être une excellente solution au quotidien pour se rendre au port. La moto permet d'éviter les énervements inutiles du matin et du soir et les encombrements, d'être à l'heure à ses rendez-vous et de ne pas subir l'exaspérante recherche d'une place libre. Les avantages de la moto sans les inconvénients, que demander de plus? Taxi aéroport aller barobic retour jusqu'au centre de plongée. Airport ou Pattaya? Pattaya aéroport. Transfert, nous fournissons un service Pattaya aéroport en transfert taxi sans tracas 7 jours par semaine. Nous sommes spécialisés dans les transferts vers et en provenance de l'aéroport et travaillons avec le meilleur groupe de chauffeurs et de voitures. Nous réservons votre prochain Pattaya aéroport. Transfert et vous gagnez du temps et de l'argent lors de votre voyage. Sir James Bond n'avait pas décidé en 1974 de passer par cet endroit. Cet îlot serait certainement complètement inconnu du grand public. Seulement voilà, James Bond, ça fait rêver et les Thaïs ont bien su profiter de ce nom sans même qu'il y ait le moindre droit d'auteur. Le touriste qui vient pour la première fois en Thaïlande, et apercevant dans les agences de voyage le nom de James Bond Island sur bon nombre de dépliants, se laisse forcément attraper. James Bond Island. Voici le symbole de l'endroit. Un rocher en forme de clou tombé du ciel. En Thaï, le lieu s'appelle Koh Tapu, Koh Elganil. Tapu, clou, vous voyagerez dans les eaux de la baie de Phan Nga, regorgeant de plus de 100 îles et affleurements calcaires rocheux. Cette excursion d'une journée au départ de Phuket vous emmène sur la célèbre James Bond Island, puis dans les lagons de Talu Island en canoë, et vous pourrez vous aventurer à pied à travers les grottes cachées. Votre visite d'une journée, avec le transport aller-retour depuis et vers l'hôtel, comprend également un repas et un moment de détente sur une plage isolée de l'île Naka. Around 1.5 hours drive. Le massage est une tradition thaïlandaise. Les stupas étincelants et les pagodes dorées de Wat Pho, l'un des temples les plus célèbres de Bangkok. Wat Pho est aussi le site de l'un des trésors les plus précieux de la Thaïlande qui remonte à avant l'arrivée du bouddhisme dans le royaume. Il s'agit du massage thaïlandais, le sacré graal pour les nombreux touristes qui visitent le pays. Au mur figurent les instructions transcrites par le roi Rama III au début du 19e siècle pour enregistrer les techniques et le doigté unique du massage thaïlandais. En fait, le massage fait partie intégrale de la médecine thaïlandaise, incorporant des compresses aux herbes et d'autres remèdes traditionnels. Les techniques peuvent être appliquées à de nombreux aspects physiques, allant de la facilitation de la lactation chez les nouvelles mères à l'apaisement de la douleur chez les infirmes et les personnes âgées. La philosophie de la médecine thaïlandaise ressemble beaucoup à un mix des traditions de la médecine chinoise et de l'Ayurveda indien. Et nous avons aussi développé notre savoir local en médecine thaïlandaise sur la manière de traiter les gens.
en bonus 86 mois d'hébergement dans une chambre équipée frigo, ventilateur. Elle m'a fait découvrir un petit peu ces quartiers, je pense notamment aux ruelles, enfin les petites allées entre les grands buildings qui ont été un peu réhabilités, surtout nettoyées avec pas mal de peinture, et puis repassées dans certains quartiers que je connaissais déjà. Cette ville est très 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 animée, et évidemment il y a un grand développement quand même depuis une petite dizaine d'années. Rien de particulier à visiter, mais si vous voulez profiter d'une ville justement sans grand site touristique, simplement prendre le temps d'observer un petit peu le pays, s'est ouvert, on trouve quand même de bons rapports qualité-prix. J'ai jamais été déçu par les chambres d'hôtel. La nuit d'hôtel pour une chambre tout à fait confortable avec une bonne literie, la clim, souvent un bureau, un petit frigo et puis une salle de bain souvent bien tenue. On a de bons rapports qui ont été trouvés, voilà, une chambre relativement confortable. Le soir où je suis arrivé, super ambiance, très populaire, des gens extrêmement souriants, très accueillants. Il y avait aussi un night market pile poil au moment où je suis arrivé, il y a un night market tous les week-ends et j'étais en plein dedans. Je crois que j'ai dû arriver le vendredi, samedi, dimanche. Très très beau souvenir. De plus, vous allez obtenir pour plus de 14 375 euros de bonus en vous inscrivant maintenant. Bonus 1, 150, plongée en mer par Minocoro d'une valeur de 6 975 euros. Bonus 2, 10 spécialités en plongée pour votre expérience d'une valeur de 3 400 euros. Bonus 3, allocation d'une moto pour un période de 6 mois d'une valeur de 525 euros. Bonus 4, taxis aéroport à débarque/retour jusqu'au centre de plongée d'une valeur de 95 euros. Bonus 5, la visite de l'île de James Bond, notre agent 007 d'une valeur de 85 euros. Bonus 6, un massage, qui est une tradition en Thaïlande, d'une valeur de 45 euros. Bonus 7, votre caméra sous-marine, pour garder un souvenir d'une valeur de 800 euros. Bonus 8, 6 mois d'hébergement dans une chambre équipée, frigo, ventilateur, d'une valeur de 2450 euros. Quel est mon investissement? La valeur du programme est de bien plus de 50 000 euros. Mais vous n'allez pas investir autant. Vous n'allez pas investir 30 000 euros non plus, ni même 26 298 euros. Non, vous allez payer, si vous commandez aujourd'hui même, la somme de 15 779 euros. C'est-à-dire que je vous fais une remise de 40% sur le prix de vente normal. Soit vous réglez en une fois 15 779, et vous gagnez 391 euros. Ou alors soit vous réglez en deux fois 7 995 euros. Ou encore vous régler en 6 fois 2695 euros. Maintenant, je vais vous parler de la grande surprise dans un instant. Mais déjà pour les gens qui sont absolument déterminés, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous maintenant. Maintenant, je vais vous annoncer un truc, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je le fais à un prix aussi attractif. En numéro 1, c'est la crise du coronavirus et vous avez besoin de leaders, vous avez besoin d'un petit coup de main. Cela devrait normalement être plus cher. En numéro 2, votre succès fait le mien, plus vous avez du succès, plus vous allez pouvoir en parler. Et en numéro 3, votre bonheur fait le mien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas imaginer la joie que cela me procure de vous aider à devenir des moniteurs de plongée. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais vous laisser regarder ces témoignages en vidéo de personnes qui ont plongé avec nous. Témoignage. J'ai décidé de suivre mon cours avec Thailand Diving, après avoir échangé quelques courriels amicaux avec Nok. Nok était très flexible, ce qui m'a permis d'organiser très facilement le reste de mes vacances. Après avoir passé quelques heures à faire des plongées en eau confinée avec Nok, j'ai passé les deux jours suivants avec Didier à mettre en pratique mes compétences nouvellement acquises. L'atmosphère sur le bateau était à la fois professionnelle et détendue. Le bateau à destination et en provenance des sites de plongée était un avantage car il garantissait que nous revenions au plus tard en fin d'après-midi. Les deux jours et demi que j'ai passés avec Thailand Diving ont été la meilleure partie de mon voyage en Thaïlande. Je les recommanderais volontiers à tous ceux qui souhaitent suivre un cours ou simplement profiter d'une journée de plongée. La plongée en Thaïlande est tout simplement la meilleure. Un grand merci à l'équipe de Thailand Divine pour une expérience de plongée 5 étoiles vraiment géniale, Karl, Royaume-Uni.
Témoignage. Ayant travaillé sur des bateaux de plongée en Australie en tant que dive master, j'ai tendance à être assez critique envers les autres opérations de plongée, lorsque je plonge pour le plaisir. Je dois dire que la journée avec Thailand Diving en valait la peine. Le ciel était couvert et un peu saccadé, donc la visibilité n'était pas la meilleure. Mais le choix des sites de plongée, Koman Visha et Koh Phai, était parfait pour ces conditions. L'équipement de plongée était excellent, le bateau était rapide et confortable. Le capitaine du bateau était un grand personnage et tout le monde a apprécié son sens de l'humour et son sourire insolent. Didier et le reste de l'équipe de plongée étaient tout simplement fantastiques, totalement professionnels et serviables à tout point de vue. Je recommande fortement Thailand Diving aux plongeurs certifiés, aux plongeurs intro, aux plongeurs en apnée et à ceux qui souhaitent devenir plongeurs certifiés. J'ai hâte de plonger avec eux à nouveau au prochain voyage. Maintenant, vous allez me dire. Mais, où est le loup? Ben il n'y en a juste pas. Par contre, cette offre ne dure que quelques jours. Je vais vous offrir un cadeau supplémentaire. Cela veut dire que vous ne pourrez plus vous inscrire après que vous perdez les bonus de 14 375 euros. La grande surprise, ou plutôt, les grandes surprises. Numéro 1. Vous pouvez payer en 12 fois si vous le désirez, parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Vous paierez alors 12 mensualités de 1355 euros. Voilà, inscrivez-vous maintenant pour changer votre vie, et devenir moniteur de plongée dans 6 mois exactement. Et voici encore un témoignage. Professionnel et sympathique. Thailand Diving m'a donné ma première expérience de plongée en Asie, et j'ai été ravi de tous les aspects. Une formation professionnelle, et une attitude amicale de la part du personnel, ont fait de cette plongée une journée fantastique. J'ai hâte de revenir et de revoir la pieuvre. Corinne Gallet, française. Je me sentais comme l'un des amis. J'ai plongé de nombreux endroits dans le monde, mais plonger avec toi a été l'un des meilleurs. Je ne me suis jamais senti plus en sécurité. C'était agréable de savoir que la sécurité était la première priorité. Je n'ai jamais senti que j'étais poussé au-dessus de mon expérience. J'ai toujours senti que je n'étais qu'un ami et pas seulement un client. Plonger en Thaïlande peut facilement rivaliser avec des sites de plongée plus exotiques. Je reviendrai à coup sûr pour plonger avec Thailand Diving. Ajoutez à tout cela, que vous deux, Nock et Didier, vous êtes super. Georges Peter, Bruxelles, Belgique. Oui, oui, vous allez recevoir une confirmation par email Catherine. Tout à fait Jérôme, bravo Lionel. Et voici encore une très bonne nouvelle. Pour conclure, je vous offre en plus pour les 20 premiers, ces 3 extra bonus supplémentaires d'une valeur de 4570 euros. Mais seulement pour les 20 premiers. Les voici. Donc là, quand vous arrivez à l'aéroport, il faut repérer sur les grands écrans votre vol. Alors là, vous voyez, c'est tout dans l'ordre. Donc on a la porte 8, la porte 9 juste après. Alors j'ai montré mon passeport. En échange, on m'a passé mon ticket. Je leur ai passé aussi mon sac à mettre en soute. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer par la sécurité. Ils regardent si vous n'avez pas de liquide ou des objets dangereux sur vous. Attendre qu'on vous dise à quelle heure vous pouvez rentrer dans l'avion. Voilà, je viens de montrer mon ticket. Les portes sont ouvertes, donc maintenant on se dirige dans l'avion. Yes, thank you. Voilà, donc à peu près 30 minutes, 3 quarts d'heure après avoir décollé, vous pouvez déjà avoir une boisson et on vous sert aussi des cacahuètes. Un menu, le menu du souper, vous pouvez choisir entre un menu asiatique et un menu européen. Et vous avez aussi le petit déjeuner, qui je pense sera plus tard, ainsi que les boissons. Donc boissons, vous avez alcool et sans alcool. Au niveau du multimédia, c'est la même chose dans à peu près tous les avions longue distance. Alors on vous donne une paire d'écouteurs. Après, vous avez un large choix de films qui sont plus ou moins récents. Vous pouvez choisir en quelle langue vous voulez y voir et avec quels sous-titres s'ils sont disponibles. Voilà, ça fait maintenant 1h30 qu'on a décollé. Il y a le souper qui est arrivé.
Alors déjà, on nous a servi une deuxième boisson, à savoir que tout ça, c'est inclus dans le billet, c'est pas quelque chose qu'on paye en plus, et ça a l'air plutôt pas mal. Bon appétit. Ensuite, pour les 8-10 heures de vol qui restent, l'ambiance est assez relaxe, les lumières sont tamisées. Voilà, il y a juste à se détendre, regarder des films si vous voulez, ou faire la sieste. Mais du coup, ça passe assez facilement, assez tranquillement. Voilà, il reste 1h30 de vol, et le petit déjeuner est arrivé. L'équipement de plongée pour une sortie plongée. Les équipements de plongée de base. Dans les équipements de base, on retrouve les palmes qui permettent aux plongeurs de se déplacer sous l'eau, de se maintenir en surface mais également de s'équilibrer dans l'eau. Le masque qui permet de voir sous l'eau et d'avoir une meilleure visibilité ainsi que le tuba pour respirer à la surface. La combinaison de plongée ou le shorty, pour les eaux chaudes, qui ont un rôle de protection thermique et qui permettent ainsi à un plongeur de rester un plus long moment sous l'eau sans ressentir le froid. Les différents types de combinaisons disponibles en plusieurs épaisseurs, étanches, en néoprène ou trilaminé, semi-étanche, humide. Pour plus d'isolation thermique, le plongeur s'équipe de chaussons, gants et d'une cagoule. Pour respirer sous l'eau, le plongeur dispose d'une bouteille ou d'un bloc de plongée, élément fourni par les clubs de plongée si vous n'en disposez pas d'un. L'équipement fournissant l'air respiré à partir d'un détendeur, pièce composée d'un premier étage fixé à la bouteille et d'un deuxième étage mis en bouche, pour respirer. Le détendeur de plongée va permettre de transformer l'air sous pression de la bouteille en air à pression ambiante, prêt à être respiré par le plongeur. Le gilet de stabilisation ou STAP de plongée permet de se stabiliser, de remonter, de descendre dans l'eau ou également de se maintenir en surface. Si la visibilité est réduite dans l'eau, la lampe ou phare de plongée devient vite un élément indispensable. Instruments et accessoires de plongée sous-marine. Dans les instruments et accessoires incontournables pour une bonne pratique de la plongée sous-marine, on retrouve la montre ou l'ordinateur qui permet au plongeur de mesurer les différents paramètres de sa sortie sous-marine, comme la profondeur, la durée d'immersion et les temps de palier à respecter. Éléments de sécurité, le plongeur peut s'équiper d'un manomètre, instrument que l'on fixe au premier étage du détendeur et permettant d'avoir une indication de la pression restante dans le bloc. Un octopus qui est un deuxième étage de secours. Pour s'orienter sous l'eau, il faut s'équiper d'une boussole de plongée. Le plongeur devra par ailleurs disposer d'un parachute qui est un équipement de sécurité obligatoire permettant de signaler sa présence sous l'eau. Le lestage de plongée permet au plongeur d'avoir une bonne flottabilité afin de faciliter son immersion sous-marine. Le sac étanche, accessoire indispensable pour le transport et le rangement de votre propre équipement de plongée. Il existe des sacs de plongée étanches pour n'importe quel type d'équipement et d'autres plus spécifiques à un type d'accessoire comme les sacs à paille, les sacoches pour détendeurs de plongée ou encore les pochons d'ordinateur. Thank you.
Oui, vous avez bien entendu, je vous rajoute pour encore 4 570 € de super bonus, 4 570 €. Bravo John, bravo et félicitations. À toi aussi Rémi. Et encore un bravo à Louise. Et avant de nous quitter... Fac. Question. Devenir instructeur de plongée, c'est difficile ? Réponse. Difficile non, disons plutôt intense. La formation, si vous débutez de zéro, dure 6 mois d'efforts, de concentration et de préparation à la carrière d'instructeur de plongée. Bien entendu, tout en effectuant ce travail, on s'amuse énormément car tout se passe sous forme d'atelier ou de travail en équipe. Question. Comment puis-je me préparer pour la formation ? Réponse. Arriver préparé serait selon nous avoir révisé la théorie de la plongée, notamment la physique et la physiologie, puis avoir plongé récemment bien entendu, sauf si vous débutez de zéro, le plus important est de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun afin de travailler sur ces dernières, sachant qu'au besoin nous pouvons organiser des ateliers de renforcement. Question. Est-ce qu'on va plonger beaucoup pendant la formation ? Réponse. Oui, on va passer beaucoup de temps dans l'eau, serait peut-être plus juste, on plonge presque tous les jours, en piscine ou en mer. Cela dit, comme ce sont des plongées d'entraînement, afin de maintenir l'intérêt et le plaisir, nous incluons une journée supplémentaire où l'on va plonger utile en nettoyant un récif ou en chassant le poisson-lion, essayer de nouveaux équipements histoire de souffler un peu. Question. Ok, on va apprendre, oui mais, va-t-on s'amuser aussi ? Réponse. Bien sûr. C'est notre rôle de faire en sorte que tout se déroule au mieux durant ta formation. Que tu t'y amuses en fait totalement partie. Une dynamique, un esprit d'équipe se crée au sein des candidats et notre équipe pédagogique entretient cela. Tous les candidats ne parlent pas forcément la même langue au début mais ressortent de la bonne copain. Question. Comment se déroule l'examen d'instructeur de plongée ? Réponse. L'examen se passe sur 3 jours et se compose de 4 segments, les examens écrits, théorie et standard, une présentation d'enseignement en classe, une en piscine et une en milieu naturel. Pour la plupart de ces modules, il y a des secondes chances au cas où l'émotion nous ferait perdre nos moyens lors de la première. Question. Dans quelle mesure le cours d'instructeur est-il personnalisé ? Réponse. Premièrement, on te propose le cours dans la langue de ton choix. Puis nous nous engageons à t'apporter exactement ce dont toi tu as besoin. Le cours se compose de différents modules. Cela permet d'entretenir les forces et corriger les faiblesses de chacun, au besoin. Nous organisons également des ateliers supplémentaires en plus des heures de cours normales. Sur demande. Question. Et si je suis déjà instructeur d'une autre fédération ? Réponse. Tu peux faire dans ce cas-là un crossover, tu assistes à la partie instructeur de la formation puis tu peux te présenter à l'examen. Cela dit, nous te conseillons vivement de faire la formation complète afin de te familiariser à la pédagogie et au programme. Question. Et si je ne suis pas encore plongeur ? Réponse. En seulement 6 mois. Tu dois avoir des brevets de plongée loisir puis le Dive Master ainsi qu'enregistrer un minimum de 100 plongées. Cela te permet de te faire plonger, prendre de l'expérience et de l'assurance tout en suivant les formations nécessaires. L'autre option est de commencer à un endroit puis de continuer ta formation au cours de tes voyages. Cette option prend généralement un peu plus de temps. Question. Je n'ai pas tout l'équipement de plongée standard ? Réponse. Nous vous fournissons dans notre offre, tout l'équipement standard, masque, détendeur, stab, palme et combinaison longue ou shorty. Néanmoins, sache qu'il est obligatoire pour les professionnels de la plongée de disposer d'un tuba, d'un compas sous-marin, d'un système de signalisation visuelle, miroir, parachute, et un audible, sifflet, d'un objet coupant, ciseaux, couteau ou coupe-fil, de la table de plongée, TPL, et enfin d'un ordinateur de plongée accompagné de son manuel d'utilisateur. Il est parfois nécessaire également de disposer d'un chronomètre, ou montre, immergeable pour les exercices chronométrés. Question. Si certaines notes ne passent pas, ai-je une deuxième chance ? Réponse. Oui bien sûr, pendant la formation, il y a autant de chances que l'on veut, on fait autant d'essais que l'on souhaite. C'est une sorte d'évaluation continue durant laquelle on peut faire des erreurs ? Question. En termes d'évaluation, comment cela se passe-t-il ? Réponse. L'évaluation suit des ensembles de critères précis.
En aucune manière il n'est attendu la perfection de la part des candidats, même si cela est notre leitmotiv. Il y a des notes qui doivent passer bien entendu, mais les scores à obtenir sont assez facilement atteignables. C'est également le rôle de notre équipe pédagogique d'assurer la compréhension de comment se déroulent ces évaluations. Question. Avec les examinateurs, comment cela se passe-t-il? Réponse. Exactement de la même manière que pendant la formation, les examinateurs suivent les mêmes critères d'évaluation. On est évalué à mi-examen final, exactement comme pendant la formation. Les examinateurs uniquement souhaitent voir une confirmation supplémentaire de tout ce qui a été appris pendant la formation. Question. Si j'ai des certifications d'une autre organisation? Réponse. Cela ne change rien, il est juste obligatoire d'apporter copie des certifications afin de les joindre au dossier. Attention, n'ayant pas accès aux archives de la FESM par exemple, il est nécessaire de fournir une copie de toutes les certifications. Si tu es N3, tu dois apporter une copie de ta carte N1, puis N2 et enfin N3. Question. Ai-je besoin d'un certificat médical? Réponse. Oui, il faut avoir un certificat médical original signé par médecin de moins de 12 mois. Question. Est-il possible de revoir la théorie de la plongée pendant la formation? Réponse. Oui, si nécessaire et sur demande. Nous organisons en fin de journée, après avoir fait tout ce que l'on doit faire, des ateliers théoriques afin de revoir et renforcer la théorie de la plongée. Question. Dois-je venir un peu avant et rester un peu après? Réponse. Si tu en as la possibilité, c'est toujours mieux. Nous avons la chance de vivre dans un environnement incroyable. Pouvoir profiter du soleil, des plages et autres, en plus de suivre le cours est un avantage non négligeable. Question. Serai-je seul à l'examen? Réponse. Notre équipe pédagogique t'accompagne jusqu'à la fin de l'I pour des considérations de soutien moral et logistique. Et oui, va vraiment falloir nous supporter jusqu'au bout. Question. Comment mettre toutes les chances de mon côté? Réponse. Comme notre équipe s'engage à faire tout le nécessaire pour que tu passes la formation et l'I avec succès, il suffit juste d'arriver, certes préparé, mais surtout en sachant quels sont tes points forts et tes points faibles. Une fois cela identifié, nous nous concentrons sur tes besoins et nous adaptons en fonction. Bien réviser la théorie de la plongée serait à notre sens le plus judicieux afin de ne pas ajouter des heures de cours supplémentaires. Question. M'assistez-vous dans ma recherche d'emploi? Réponse. Bien entendu, nous t'indiquons quel centre contacter afin de proposer tes services et nous pouvons t'aider à bâtir un CV propre à l'activité de plongée. Également, lorsque nous devons recruter du personnel, nous privilégions toujours le recrutement de nos anciens élèves. Question. Après le monitorat, comment puis-je continuer à progresser? Réponse. Tu peux suivre un cours de formation supplémentaire. La plongée offre également diverses activités en fonction de tes intérêts. Tu peux devenir instructeur tech, plongée à décompression avec mélange suroxygéné, instructeur trimix, mélange d'hélium, oxygène et azote, ou instructeur side mount, montage latéral, ou encore la plongée spéléo. Question. Quand pourrais-je commencer à enseigner? Réponse. Après avoir reçu le mail de confirmation. Selon la zone dans laquelle tu souhaites travailler, il peut être obligatoire de disposer d'une assurance professionnelle. Question. Si je veux rester en Thaïlande, comment puis-je faire? Réponse. Tu as besoin d'une promesse d'embauche pour régulariser ta situation face au service d'immigration. Le visa touriste te permet de rester 6 mois sur le territoire. Tu ne peux pas travailler mais cela te laisse le temps de trouver un employeur dans la région. Question. La plongée, ça a de l'avenir? Réponse. La plongée évolue constamment, ainsi en va-t-il des professionnels de la plongée? Il y a toujours d'autres choses à essayer ou apprendre, tech, trimi, spéléo. D'une manière générale, ce métier est le même dans toutes les zones du monde. Tu peux ainsi travailler tout en voyageant puisque les cours sont exactement les mêmes en Angleterre, qu'en Thaïlande ou en Australie. Question. Une fois instructeur, trouverai-je facilement du travail? Réponse. Trouver du travail dans la plongée en étant instructeur est assez simple. En termes de salaire, cela dépend bien entendu de la structure pour laquelle tu travailles mais en général, tu peux espérer un salaire de base d'environ 1000 euros et des commissions de vente, d'enseignement. Question. Je peux travailler en France en étant instructeur? Réponse. Pour travailler et être rémunéré dans la plongée en France, il faut être brevet d'état. Sinon tu as le droit de travailler gratuitement en France mais le monde s'ouvre à toi afin de travailler partout ailleurs. Voilà. Dépêchez-vous de vous inscrire.
car il y a déjà 12 extra bonus de partie d'aller. Allez, dépêchez-vous avant que tous les extra bonus soient partis. Bougil et Robert, félicitations à tous. Voici encore des témoignages en vidéo. Témoignage. Nous avons réservé une excursion d'une journée avec Thailand Diving. Après avoir lu des critiques très positives, ils ont répondu à toutes les attentes et nous avons passé un très bon moment. Ils viennent vous chercher à votre hôtel et vous amènent à une jetée où vous avez une collation légère et commencent les préparations. Nous avons eu deux plongées à Kollam, environ 45 minutes en bateau. Nous étions un groupe de 8 dans le pack, répartis entre deux dive masters, Nock et Didier. L'emplacement, l'organisation, le bateau, tout s'est bien passé et très agréable. Je recommanderais à tous ceux qui veulent vivre une expérience sans souci pendant leurs vacances. Il n'y a que quelques magasins de plongée qui offrent un service de qualité, Thailand Diving a donc un grand avantage. Il ne vous reste que peu de temps. Profitez-en, voilà, je vous dis au revoir et à bientôt, bonne journée, et on se retrouve de l'autre côte. Bye, ciao. Au revoir.